OK, là, je documente. Qu'est-ce que je suis en train de faire? On est dimanche soir, le 11 février. C'est le soir du Super Bowl. Le monde écoute le Super Bowl, mais moi, la télé est fermée. Parce que là, j'ai un problème. J'ai un défi. J'ai un challenge qui est là. Le livre, C'est aussi ça la vie, il est sorti. J'ai fait ce que j'avais à faire. On est numéro 1 sur Amazon dans les livres de développement personnel. Il en manque dans la librairie, en rupture de stock. Ça se passe super bien. Je pars en tournée de conférence à partir du 15 mars prochain pour une tournée de conférence ici au Québec et par la suite en Europe. Et là, en fait, on a lancé la tournée de conférence fin novembre après le bootcamp. Et en fait, en réalité, c'est que les ventes ne sont pas du tout, mais pas du tout au rendez-vous. Donc, donner une idée, à Val-Morin, j'ai 39 personnes. À Longueuil, 39 sur une capacité de 186. Longueuil, 78 sur 800. Donc, c'est dans un mois, là. Laval, 78 sur 745. Drummond, 43 sur 320. 33 sur 800, Trois-Rivières 33 sur 450, Québec 146 sur 800, Beauce 28 sur 539, Joliette 56 sur 750, Rimouski 33 sur 190, Edmondson 33 sur 756 et Gatineau 31 sur 490. Et là, c'est insécurisant. C'est insécurisant parce que là, il y a plein de pensées. Les gens ne sont plus au rendez-vous, dans les salles, pour les artistes, les spectacles, tata. Il y a plein de modes de pensée. La réalité, c'est que je n'ai pas fait de publicité sur C'est aussi ça, sur ma tournée de conférence parce que j'ai eu le bootcamp avant. Par la suite, j'ai lancé mon grand webinaire Réaligne-toi. J'ai eu mes podcasts. Par la suite, j'ai lancé Reset. Donc, c'était les gros moments, les gros morceaux importants pour moi. Ce qui fait que le one-man show, mais je l'ai laissé en arrière. Il y a des gens qui ont vu les dates, puis des fois, je mettais le lien, les gens se sont rendus. Cependant, je suis loin d'être sold out. Je suis loin d'avoir des salles à moitié remplies. Je suis loin d'avoir des salles au quart remplies, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui fait le plus peur de dire, j'ai loué des salles. Il n'y aura peut-être pas personne dans les salles. Et c'est OK, c'est comme je ne vais pas partir dans mon angoisse, dans mon stress, dans mon anxiété, mais plutôt d'être... Et en réalité, c'est que j'ai procrastiné parce que tout ce que je viens de vous dire là, j'ai mis 0 en publicité. C'est pas grave. Hein? De temps en temps, il y a des choses qui ne marchent pas comme on veut et il faut se secouer. Et il faut... C'est pas parce que ça marche. Exemple, Reset, le podcast fonctionne, le livre fonctionne, que la tournée de conférence fonctionne. Donc, tout simplement dire, il y a un nœud là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma façon de faire. Il faut que je me secoue parce que moi, je veux qu'il y ait du monde dans les salles puis je veux que mon message touche à plus de cœur possible. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Il va falloir que je revoie ma stratégie, je me mette en mouvement, j'en parle de plus en plus, que j'envoie des courriels, que je démarre des pubs, que je commence peut-être à demander à des collaborateurs de me donner un coup de pouce, que moi, j'en parle dans mes podcasts, que je commence à le mettre en avant. Bref, que je fasse une série d'efforts. Hein. Souvent, je vais parler le plus petit pas possible en direction de son pourquoi. Donc, que je fasse le plus petit pas possible à tous les jours, que je mette mon focus sur ma conférence, sur le one-man show, que j'ai des gens dans la salle, que je vienne le travailler dans la source, dans le vide, peu importe où est-ce que, comment on va l'appeler, et qu'il y a du monde dans ma salle, et que je suis content, et que je trippe, puis que je me réalise pleinement, puis qu'après ça, je fais des dédicaces, je vois ma communauté, je fais des hugs, je me sens tellement privilégié de pouvoir faire ce travail-là, j'aide les gens à connecter avec le cœur et tout ça. Et je vais appliquer, en fait, ce que j'enseigne avec la pleine conscience intégrative au quotidien. C'est juste que là, il faut se rendre à l'évidence, c'est qu'il n'y a personne dans mes salles! Et ça stresse ma femme! Parce que, quand que tu loues, ici, on a comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dates au Québec, des salles de 500, 756, 750, 800, 450, 800, 745, 800. J'ai pas un producteur qui s'occupe de mes affaires. Je passe pas à la télévision. C'est comme moi qui fronne, qui loue les salles, qui prend le guess, qu'il va y avoir du monde au rendez-vous. Donc, c'est comme... Mais c'est OK, je suis un entrepreneur aussi dans l'âme. Ça fait partie de la vie d'avoir des risques. Ça fait partie de la vie de temps en temps avoir des choses qui ne me fonctionnent pas. Mais là, je ne peux pas dire que ça ne fonctionne pas. C'est juste pas présent au rendez-vous en ce moment. Et c'est l'équivalent de ma conscience, des actions que je peux avoir faites au travers de tout ça. Maintenant, ma job, c'est de me secouer, de me réaligner, de m'ancrer, de me connecter, puis de mettre ça en priorité, de dire, OK, il faut qu'il y ait du monde dans mes salles. Qu'est-ce que je fais maintenant? Quelles sont les actions que je peux faire à partir de maintenant? Parce qu'il va y avoir du monde dans mes salles. Et ça, c'est la pensée que je nourris. C'est la pensée sur laquelle je viens m'accrocher. Pas m'accrocher à l'addiction. S'il n'y a pas personne, si je fais le quart de personnes dans mes salles, si je fais 50% de personnes dans mes salles, c'est pas grave. C'est pas si dramatique que ça. Financièrement, ça va avoir un impact, mais est-ce que c'est si grave que ça? Je vais aller chercher un coup d'humilité, hein? Je vais aller développer. Comment on la développe, l'humilité, à coup d'épreuve, à coup de... Mais ça sera peut-être ça que je suis en train d'aller comprendre. Ou encore une fois, je suis en train de comprendre que, hey, il faut que tu te secoues, là. Tu peux pas attendre que tout le monde s'en vienne chez vous. C'est pas un dépanneur où que le monde vienne. Il faut vraiment qu'il te voie, qu'il soit dans le mouvement, puis qu'il soit en mesure de dire, il faut que je réserve mon billet. Parce que quand je bouge pas les choses, il n'y a pas de pub qui bouge, il n'y a pas grand-chose qui bouge, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens arrivent sur le site des shows et là, ils voient, parce que c'est des grosses salles de spectacle, donc on peut choisir nos places. Et là, les gens, ils voient qu'ils peuvent choisir les places, puis finalement, il en reste bien plein. Pourquoi je vais réserver maintenant? Donc, c'est un couteau à deux tranchants. Donc, il faut faire attention sur toutes les idées préconçues qu'on ramasse. Dans l'économie, ça va pas bien. Dans les salles de spectacle, ça va pas bien. C'est pas évident de vendre un show, faire des conférences. Faut que quelqu'un vienne me sauver, quelqu'un me voit, quelqu'un qui fasse ma promotion. Non, on est tous responsables de notre vie, de notre façon de créer, de manifester. Et on est surtout responsables d'interpréter la vie de qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, c'est pas un échec qui est ce qui est là. C'est l'équivalent de ma conscience. Maintenant, il faut que je me secoue et que je réaligne mon focus, ma concentration, sur quoi je vais mettre de l'énergie, que je joue dans le monde subtil, parce que c'est tout là que ça commence, et bien sûr que je laisse la nature faire son œuvre, puis que je fasse pleinement confiance qu'il va y avoir du monde dans mes salles ou pas. Être prêt aussi avec le fait que peut-être qu'il n'y aura pas de monde dans mes salles, and it's OK. Donc, à partir de maintenant, gang, vous allez le voir plein de fois apparaître sur les réseaux sociaux. Je vais stimuler, je vais stimuler, je vais stimuler. Je vais faire tourner tout ça. Mais pour moi, c'est important de partager, de prendre le temps de le partager parce que... Et là, en même temps, on a changé. Si je m'en viens ici avec vous, hop, je m'en viens ici. Et où François Lemay? One Man Show. Donc, si je m'en viens ici, hop, comme ça, vous voyez, on avait changé le look, mais je pense que je vais revenir à l'ancien look. Que je suis comme ça, OK? C'est comme juste ajuster certaines petites choses. C'est toujours du fine-tuning. Et pour moi, c'est important de vous le partager parce que c'est pas parce qu'on voit que les choses se passent bien que c'est toujours facile. Quand j'ai écrit « C'est aussi ça la vie », ben, my God, que j'étais dans une période de turbulence juste avant que je parte à Vipassana, puis c'est aussi ça la vie, les choses se sont placées, et il y a toujours, quand il y a un bootcamp, quand il y a un reset, quand il y a toujours des stress adaptatifs qui sont là, qu'on a le choix d'être en panique, et de se dire, le COVID, l'Internet, l'argent, toutes les réalités existent, c'est aussi ça la vie, toutes les palettes de couleurs existent. Et si on va avoir du résultat, il faut syntoniser la bonne fréquence et s'entraîner à syntoniser la bonne fréquence, même à travers ce qui semble être une tempête. C'est pas une tempête, c'est un ajustement, c'est une température. Et en même temps, ça me fait un peu rire parce que c'est comme si je repasse par des boucles, puis il y a une partie de moi qui est sécure à l'intérieur de moi, puis qui fait comme... C'est pas la première fois que tu vis ça. C'est quoi le pire qui pourrait arriver? Les gens ne seront pas présents au rendez-vous, il va y avoir moins de monde dans les salles. Est-ce que c'est si grave que ça? Et idéalement, la réponse devrait être non. Il va y avoir plus d'espace, je vais faire pas d'argent. And it's OK. Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que je suis en train de mourir? Non. Et le fait de préserver la paix, l'équanimité d'esprit à travers ce qui semble être le problème, la tempête et tout ça, mais permet de rester branché sur la noblesse de l'intention. Donc, on peut gober toutes les peurs de la société, les peurs de l'économie, les peurs que les artistes, ça fonctionne plus, les peurs... On peut tout gober, ces peurs-là, que le développement personnel Moi, j'ai plein d'amis en développement personnel que les choses vont beaucoup moins bien depuis que le COVID est pas mal disparu. Moi, ça va aussi bien, sinon plus, avec beaucoup moins de promotion et toutes ces choses-là. Mais j'ai continué de donner, puis de rester branché sur la noblesse d'intention. La noblesse d'intention, gang, c'est tellement, tellement, tellement important. Et pourquoi rester aligné? Parce qu'en fait, ce que tu cherches, une question de fréquence. Si j'en parle pas, le monde ne va pas le voir. Ce que tu cherches, et pas juste ça, c'est que quand on veut voir de la magie apparaître dans la vie, il faut rester aligné sur le monde de possibilités, sur cette foi-là. Et c'est pas une pensée de bisounours, c'est une posture intérieure. Et je m'en vais par là, coûte que coûte, je m'en vais par là. Je suis prêt à vivre l'échec, je suis prêt à vivre la résistance s'il y a résistance, mais il n'y aura pas d'échec. Il va y avoir des résistances. Mais il n'y aura pas d'échec, c'est sûr, certain. Il va y avoir du monde dans mes salles, c'est sûr, Et je vais faire en compte pour qu'il y ait du monde dans mes salles. Alors, pour moi, c'est important de vous partager l'arrière du décor parce que c'est cool quand que vous assistez à mes podcasts gratuits, Percevoir Autrement, puis que je vous dis, hey, sur mes plateformes ensemble, il y a 2, 3, 4. Maintenant, c'est plus 6, 7, 800 personnes. What? 6, 7, 800 personnes en live, en direct, c'est incroyable, c'est quel privilège exceptionnel. Et quand je vous dis « Cool, le livre se vend bien, on est en rupture de stock », c'est vraiment génial. Et quand on dit « Wow, vous êtes plus de 1000 personnes à avoir rejoint l'aventure Reset », c'est vraiment génial. Et quand que peu importe qu'est-ce que je peux partager, mais derrière tout ça, il y a aussi des contractions, des résistances qui fait que la réalité, je ne serais pas obligé de faire des conférences, je ne serais pas obligé d'écrire des livres non plus, je pourrais me concentrer juste sur un projet, mais j'aime butiner, j'aime aider les gens autant à poursuivre leur quête avec plus de finesse et de profondeur dans Ubuntu, à faire un véritable reset en profondeur avec Reset, à butiner dans le lab pleine conscience, à percevoir la vie autrement, à faire mes tournées de conférences parce que là, je suis en connexion avec ma gang et c'est plus style one-man show avec de l'humour, ça me fait profondément du bien. À écrire des livres, ça laisse ma trace à quelque part pour mes enfants et tout ça. La vie, c'est comme un grand magasin de bonbons, en fait, que l'on peut expérimenter ce que l'on a envie d'expérimenter. Je le fais pas parce que je suis obligé de le faire, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et je sais, une chose est sûre, c'est que si vous aimez les lives, si vous aimez Reset, Ubuntu, peu importe avec moi, c'est clair qu'une conférence, c'est autre chose parce que c'est un moment, c'est un espace, en fait, qui dure 2h30, 3 heures, en fait, dans lequel le temps s'arrête, on rit un bon coup, on réfléchit, on pleure. Honnêtement, on passe par toutes les gammes d'émotions. Et pour moi, ça me nourrit profondément parce que je suis capable d'entendre une mouche voler dans la salle. Je m'en vais dans mon énergie de flow. Il y a une connexion avec ma communauté qui me suit dans mes podcasts, dans mes formations et toutes ces choses-là. Et par la suite, quand que je termine les conférences, mais je prends le temps pour aller faire des câlins, signer des dédicaces dans les livres et prendre des photos avec ma gang. Et c'est intense. Ça me fait des grosses journées là, quand que je fais les conférences. C'est pour ça que j'en fais juste 12 par année au Québec. On va partir peut-être pour 7-8 cette année en Europe. La même affaire avec des grosses salles aussi. Parce que je ne pourrais pas faire ça tout le temps. Mais ces blitz-là sont super précieux, sont super importants. Donc, il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne fonctionnera pas. Vous comprenez? Il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne fonctionnera pas. Que ce soit l'économie, que ce soit l'argent, que ce soit si le monde ne sont pas au rendez-vous, que ce soit... Non, l'énergie est là. Elle a toujours été et elle sera toujours là. C'est à nous autres de synthétiser le bon poste. Alors, je vous partageais une tranche de vie, l'arrière du décor. En ce beau dimanche, parce que tout le monde écoute le Super Bowl, moi, j'étais avec ma doudou, avec mon ordinateur. J'étais en train de réinventer le monde parce que demain, quand mon équipe rentre au poste, on ajuste plein de choses pour qu'éventuellement, dans quelques semaines, 4 semaines plus précisément, je suis en train de donner ma conférence, c'est sold out dans ma conférence, les salles sont pleines, on rit à s'en pisser dessus, on prend des bonnes prises de conscience, on termine le cœur grand ouvert et je me dis « Oh my God, quel privilège exceptionnel de faire vivre l'expérience si aussi ça la vie à ma belle gang » puis les gens répondent « Présent ». Et ça va avoir été une histoire de résilience, de se réajuster et d'attirer à soi qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter. Alors voilà, ma belle gang, je vais vous partager l'arrière du décor parce que c'est aussi ça, la vie. Si jamais ça vous tente de venir vivre l'expérience « C'est aussi ça, la vie », c'est comme la 3e fois que je repars en tournée avec « C'est aussi ça, la vie ». Avant, c'était toujours « Tout est toujours parfait ». Mais là, c'est comme le tout nouveau show de C'est aussi ça la vie, beaucoup plus aligné avec le livre C'est aussi ça la vie, avec des nouvelles histoires qui sont là, avec des pièces d'enseignement, des nouvelles conneries bien sûr qui vont être là, présents au rendez-vous. Donc, si ça vous intéresse, je vais mettre bien sûr le lien. Il reste de la place. Vous allez avoir les plus belles places. Si vous avez envie de venir passer un bon moment avec vos parents, avec vos enfants, avec vos amis, avec vos collègues de travail, c'est un bon moment à vivre, j'en suis sûr, qui pourrait avoir un impact sur votre conscience. Donc, sinon, partagez avec vos amis si vous avez envie de partager, ça pourrait me faire un grand plaisir. Je vous aime, je vous adore, faites des ponts avec votre vie, ne restez pas dans mon histoire, puis ne suivez pas un coach, un influenceur, un gourou sur le web, ne suivez pas ça. Faites, à chaque fois que je prends ma caméra comme ça, puis que je partage, que ça soit dans n'importe quoi, votre job à vous, c'est de faire des ponts. Parce qu'un jour, vous allez arriver, vous allez dire, oh, mon projet ne fonctionne pas. Attends, c'est pas qu'il ne fonctionne pas, c'est que là, il n'y a pas le résultat que tu voudrais. On a juste besoin de se réaligner, se secouer, et dire, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour pouvoir manifester? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? C'est aussi ça la vie, c'est aussi ça la vie. Je vous aime, je vous adore. On se revoit bientôt. Bye tout le monde.